Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Nous parlons d'abord du plaidoyer sur les enfants qui, eux aussi, ont des droits. Lundi dernier, au palais Léomba de Libreville, siège de l'Assemblée nationale du Gabon, le ministre en charge des droits humains est allé exposer devant les députés pour ensemble trouver le moyen de punir les auteurs de violences faites aux enfants. Dans le même cas, dans le même temps, bouter ce type de comportement hors du pays. Kenny Ongouri et Justin Bitéyé. Ce plaidoyer sera certainement celui qui viendra garantir davantage de droits à l'enfance, au moment où de nombreux enfants font de plus en plus face à des violations flagrantes de leur intégrité morale et physique, voyant leur dignité humaine fortement mise à mal. La Convention des droits de l'enfant fait partie d'un instrument juridique qui a été ratifié par le Gabon depuis 1994. Donc, il est question, dans le cadre des recommandations internationales, de travailler pour la mise en place au sein de l'Assemblée nationale d'un groupe de travail spécialisé dans les questions des droits de l'enfant. Ce groupe de travail sera hébergé au sein de la commission, entre autres, chargée des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Face au député, Alexandre Désiré Tapoyo, ministre en charge des droits humains, a présenté sa stratégie en vue de la construction d'un édifice moral visant à assurer aux enfants un vécu propice. La réalité est que les violences faites aux enfants sont faites en majorité au sein des familles, suivies en milieu scolaire. Il y a également, bien sûr, ces violences psychologiques. C'est également l'occasion de demander aux parlementaires de mettre en place un dispositif législatif permettant de réprimander, de sévir et de punir toutes les personnes malveillantes qui pensent que les enfants sont tous sauf des humains. En vue de garantir davantage de droits à l'enfance, le ministre en charge des droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger est allé exposer sur les droits de l'enfant au palais Léomba face aux députés pour bouter de notre pays toute maltraitance faite aux enfants. Rose Christiane Osuka, maire de Libreville, a procédé lundi à la mairie centrale au lancement de la nouvelle étiquette des transporteurs en commun, une vignette sur laquelle apparaissent les couleurs de Gabon Télécom. L'entreprise a signé un partenariat avec l'institution. On voit tout cela avec Georges Mexantoutou et Justin Bitégué. Les vignettes des taxis et autres transporteurs de la commune de Libreville sont désormais disponibles. Le lancement de la nouvelle vignette s'est fait en présence du directeur général de Gabon Télécom. Cette entreprise est désormais partenaire de l'hôtel de ville. Le directeur général de Gabon Télécom et moi avons signé le partenariat qui lie désormais Gabon Télécom et la mairie de Libreville dans le cadre justement du collage des vignettes que nous allons bientôt posé sur les portières de taxi pour l'année 2015. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure où Gabon Télécom s'est engagé d'offrir des vignettes à la mairie de Libreville. En contrepartie, la mairie de Libreville autorise Gabon Télécom à insérer sur ses vignettes son image, c'est-à-dire l'image Gabon Télécom. Et cela durant toute l'année 2015. Cette vignette attribue un numéro à chaque véhicule à usage de transport et facilite son identification. Nous en parlons encore ce soir. L'unité sur les victoires à venir au deuxième siège du 3e arrondissement de Libreville. Le secrétaire d'arrondissement a clôturé sa campagne de proximité auprès des populations dans le but de galvaniser les troupes pour les batailles à venir, en l'occurrence la présidentielle de 2016. On retrouve nos reporters. C'était la boucle d'un périple d'un peu plus d'un mois qui a conduit le secrétaire du 3e arrondissement de Libreville à aller remercier les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais après cette campagne de proximité. Le travail de ce jour s'inscrit dans le cadre de la clôture de notre communication de proximité, appelée aussi porte-à-porte, qui marque également le redémarrage des activités de notre parti pour l'année en cours. Je voudrais donc remercier les membres du bureau politique du Conseil national, du comité central ainsi que l'ensemble des militantes et militants et autres cadres de notre arrondissement. Cette rencontre qui se tenait pendant la célébration de la journée de la femme était une nouvelle opportunité pour les femmes de se distinguer et de remercier le distingué président Ali Bongo Ondimba. Permettez-moi de profiter de cette tribune pour dire ma profonde gratitude au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba en tant que femme et au nom de l'ensemble de la gente féminine réunie en ces lieux.
pour sa volonté inlassable de promouvoir la femme gabonaise à travers le choix porté sur notre camarade et sœur Lucie Milegou Obusson, épouse Boutsou, à la prestigieuse fonction de présidente du Sénat. Les femmes, on applaudit pour la camarade. Tout en reconnaissant que le temps actuel n'est pas aisé pour le Parti démocratique gabonais, le secrétaire d'arrondissement lance un message fort pour la remobilisation des troupes. Un bon nombre de mots qui minent le bon fonctionnement de notre parti, nos populations, nos militants, donc notre arrondissement, que nous n'allons pas baisser les bras. En notre qualité de soldats engagés du PDG, PDG d'abord, nous-mêmes d'abord, pour qu'ensemble nous gérions au mieux ces mots identifiés. Cette trouvaille des militants du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement qui a clôturé la campagne de proximité marque également le démarrage des activités de l'année en vue de galvaniser les troupes et garder le cap jusqu'au soir de la présidentielle 2016. Du sport à présent avec la dernière étape de cette visite d'inspection de la CACH au Gabon qui s'est achevée au lycée national Léomba. Les deux délégations sont allées rendre visite aux jeunes du Pool Cadet, un programme sport-études mis en place par la Fédération gabonaise de handball. Marvin Berry. Après la signature du protocole d'accord entre la Confédération africaine de handball et la Fédération gabonaise de handball, les deux délégations se sont rendues du côté du lycée national Léomba afin de visiter les installations du Pôle Cadet, un programme de sport-études pour les moins de 18 ans mis en place par la Fédération gabonaise de handball. Une occasion pour le trésorier général de la CAB de prodiguer quelques conseils aux jeunes qui incarnent l'avenir du handball gabonais. Moi, je vous le dis très clairement, pour devenir une personnalité demain, ce n'est pas en jouant seulement handball. C'est en allant à l'école. Moi qui suis en train de vous parler, je suis officier de marine parce que j'ai été à l'école. J'ai joué aussi au handball. Quel que soit le niveau auquel je l'ai joué, je ne suis pas devenu ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai joué au handball. C'est parce que j'ai été à l'école. Donc sachez que la première des choses pour laquelle vous êtes ici, c'est pour votre avenir. Certains, pour votre avenir, certains, c'est l'étude, c'est l'instruction. Je vous en prie, ne badinez pas avec ça. C'est sur cette visite du Pôle Cadet que s'est achevée la mission de la CAB qui avait également pour objectif de visiter les hôtels retenus par l'organisation pour l'hébergement des sportifs et les sites qui abriteront les compétitions. Une visite qui a eu lieu ce samedi 7 mars. Le tournoi de football dénommé « Tournoi du distingué camarade Ali Bongo Ondimba », dont le coup d'envoi a été donné par le délégué national de l'UJPDG, une compétition sportive qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 47e anniversaire du PDG. Détail dans ce reportage de Justin Bitégué. C'est la commune d'Akanda qui a abrité le lancement de la 2e édition du tournoi du distingué camarade. Ce sont au total 12 équipes venues des communes de Libreville, d'Akanda, d'Ovendo et d'Ntoum qui vont prendre part à la phase éliminatoire de ce tournoi. Le tournoi, c'est un tournoi qui amasse beaucoup de foule. Les choses se passent très bien. Et actuellement, nous sommes à la phase des quarts de finale. Et on a commencé depuis ce matin, c'est à élimination directe. Donc la finale va se jouer la semaine prochaine, le 15 mars. Dimanche 15 mars, la semaine prochaine. C'est un tournoi de 12 équipes. Nous avons eu une équipe pour Akanda, la commune d'Akanda, une équipe pour la commune de Ntoum, une équipe pour la commune d'Ovendo et 6 équipes, selon les 6 arrondissements, pour la commune de Libreville. Pour le délégué national de l'UJPDG, c'est une autre façon de célébrer les 47 ans du parti tout en favorisant l'esprit de combativité. 2015, nous célébrons donc dans un contexte particulier, puisqu'il s'agira également de célébrer le 25e anniversaire de la conférence nationale, qui est tout un symbole par rapport à l'ancrage démocratique de notre pays. Et aujourd'hui, l'UJPDG a voulu imprimer une marque sportive à cet événement en organisant la 2e édition. Ici, nous sommes aux éliminatoires de cette édition. Les objectifs, c'est notamment de favoriser toujours cet esprit de compétitivité, de discipline que caractérise le sport. La finale de ce tournoi qui a débuté le 8 mars prendra fin le 15 en présence des hautes autorités du parti. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonews.com. Au revoir et à demain.